Bonjour à tous et à toutes, c'est Valorskull, et on se retrouve devant Anchois Shiny. Ouais, déjà. Alors, vous vous dites déjà, vous voyez un Pikachu mâle qui s'appelle Sparky, voilà déjà. Donc, si vous connaissez un petit peu l'animé, enfin les premières saisons de Pokémon, on connaît tous le Sparky. Donc, le chiffre c'est 3534. Donc je ne sais plus à quelle heure j'ai commencé à chasser, à recommencer à chasser aujourd'hui, car on sait tous qu'aujourd'hui à minuit, vers minuit 10, j'ai trouvé Poisson Roi Shiny. Alors je me suis remis en quadruple, donc à la grotte électrolyte, et je vais commencer d'abord cette recherche en simple, hein. En même temps que, enfin, voilà. Après avoir trouvé Viscuse hein, en étant poisson roi, donc je faisais en simple, je sais pas, en simple j'ai peut-être fait 2400 je crois, donc en triple voilà, je n'ai pas fait 1000 je pense pas, donc toujours pareil hein, j'étais occupé aujourd'hui, j'ai fait ma vidéo, je l'ai mis sur internet et puis j'ai commencé à chasser. Donc je suis arrivé sur Skype, il y avait Ooms, il y avait Phoenix, Julien et Alexis, Darkrai-Fou, mais qui n'était pas encore arrivé. Donc moi j'ai eu droit à la réaction de Phoenix sur son Moufa Chani, voilà. Donc on a commencé à parler et puis à discuter, Alexis est arrivé. Je sais pas, peut-être 20 minutes après qu'Alexis soit arrivé, Anchois Chani est arrivé. Ah, j'ai vu sortir de l'ombre, j'ai vu sa bouche violette là, j'ai tout vu encore. J'ai pas réussi à mettre le son parce que sur la 3DS c'est sur le côté. Et comme c'est à côté de mon lecteur, donc mon lecteur DVD, j'ai pas eu le temps de mettre le son, je me suis un peu loupé. J'ai vraiment tout vu. Alors je disais à Phoenix avant que Darkrai-Fou arrive. Que putain, je sentais le géolite et tout, tu sais, mais vraiment le joli troll, voilà, parce que j'ai déjà gigalite. Je parlais un petit peu de ce que j'allais faire après. Ce que je voulais faire en fait, c'est faire statistique, voilà, donc trouver statistique ici, et après aller vestiges des rêves, je crois, là où il y a Migalos, voilà, pour avoir peut-être les deux araignées de suite. Je savais qu'en chouette était là, mais c'est vrai que. Je m'attendais pas non plus à que ce soit lui qui sort, donc c'est lui qui est sorti, tant mieux. Je pense que je suis pas mal à un grand forêt, alors on va juste bouger un tout petit peu l'écran, comme ça, voilà, là on voit moins les voix, on voit moins le... Ah, on voit déjà mieux qu'il est shiny, déjà, c'est plutôt pas mal. Donc on va mettre le son. Donc voilà. Et on va lancer une sombre ball. Donc, c'est parti. Voilà. Je m'attendais vraiment pas à vous trouver aujourd'hui et mon premier coup en plus. D'accord, capture du premier coup. Je m'attendais vraiment pas à trouver aussi facilement. C'est impressionnant parce que j'ai pas mal de chance dans cette stage. Ma chance me fait flipper quoi. Ça, sérieusement, je me pose des questions. Donc je l'avais déjà dans le Pokédex apparemment. Voilà, donc un surnom, comment je pourrais le surnommer, franchement j'en ai aucune putain d'idée. De toute façon je crois que j'ai eu aucun surnom pratiquement pour mes chenilles de la stush, de celle-là en tout cas. Donc je vais allumer mon écran de télage, les mecs si vous voulez faire un pari nature, c'est le moment d'écrire. Voilà. Alors. On va le foutre en premier déjà. Voilà. Donc bizarre pour Phoenix et puis jovial pour Darkrai-Fou, donc comme d'hab. Alors, il est. Attention, alors moi je vais dire. Modeste. Oh yeah, motherfucker. Ah bah voilà. Ça c'est bien ça. Ah, je sais pas si c'est bon pour ce Pokémon, mais normalement oui. Bah voilà, mais ça c'est cool. Enfin, je suis vraiment un enfoiré. Alors là, j'avoue, je suis un grand enfoiré. Donc nous sommes bien le 15 août.
Voilà, donc ça soupit souvent en plus. Que des bonheurs. Bah non, j'ai vraiment du bol là sur Squeezie, hein. Ah, je suis content. Bah non, putain, c'est n'importe quoi là. Oh bah. Regardez-moi, c'est truc superbe. Oh, il est violent. Alors, sur l'appareil, on voit rien, mais. Alors, moi, je peux dire que moi, je le trouve violent, ce génie. Alors, on va rebaisser un petit peu. Alors, c'est con parce que, avec avec la 3DS, l'écran de la 3DS avec mon appareil photo, c'est de la merde. Alors, on va. Donc là, normalement, on va faire péter les étoiles. Putain. Alors, est-ce qu'il y a une rencontre là? Attention, je vais mettre le son à fond. Donc ça c'est statistique. Et là, attention, en SWAT. Oh là 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 là. Ah, il est violent. Alors vous voyez pratiquement rien en fait, mais il est bien. Sa couleur en fait, il a l'air beaucoup plus clair en fait que le normal. Alors, je vais refaire péter les étoiles. On va regarder la différence entre le normal et le shiny. Donc voici un grain dur. Alors, Yumi avait dit que je tomberais sur le grain dur. Bah, tu t'es encore planté, Yumi, tu vois. Je suis devant en chouette. Voilà. Tac. Donc, j'ai eu en chouette. Je m'attendais pas du tout à avoir en chouette shiny, mais. Bah, si, c'était un peu le rêve de tomber dessus. Mais, parce que c'est vrai que. Donc, au massacre, c'est quand même un putain de shiny. Alors, on va regarder la différence entre le normal et le shiny. Alors, en plus, elle est tombée femelle. Alors, hop, je vous montre ça. Alors, vous voyez pas grand chose. Toujours pareil. Hein. C'est encore un pauvre shiny qui se fait violer par les appareils photo, quoi. Mais vraiment. Alors, vous voyez rien, c'est violent. Bah, c'est sûr qu'on verra sur les photos à la fin de la vidéo. Enfin, à la fin de la vidéo. Mais vraiment, on voit rien, quoi. C'est vraiment à chier. Putain, je suis déçu parce que, franchement, en choix de Xiaomi, il est complètement différent. En fait, le gris est devenu bleu, un bleu. Son blanc est devenu plus blanc. Et sa bouche est violette au milieu d'être rouge. Non, franchement, inloupable, je dis. Enfin, moi, je l'ai vu dès l'ombre. Immanquable. Franchement, le mec qui manque en chouette, bah, il a de la merde dans les yeux, ou il est gaucher, je sais pas, mais il a un problème. Alors, c'est parti, on va refaire péter les étoiles. Je vais faire un petit zoom. Même si... voilà, attendez. Je vais essayer de faire un petit zoom sur le Pokémon. Alors, j'espère qu'on va bien voir la différence. Voilà. Alors, c'est impeccable. Voilà, il est magnifique ce Pokémon. Alors, désolé de la qualité pourrie de la vidéo, mais de l'image surtout. Ah, c'est vraiment de la merde. Sérieux? Ah, j'avoue, là, je fais vraiment du caca. Mais j'y peux rien. Enfin, peut-être que j'achète un autre appareil, mais bon, j'ai pas que ça à faire non plus. Alors, donc là, le zoom. J'espère qu'on va pouvoir voir le Pokémon. Voilà, en chouette shiny. Donc, dédicace. Aux gens qui étaient avec moi sur Skype quand j'ai trouvé. Donc je fais une dédicace à toutes les teams avec qui je traîne en ce moment. Je vais pas dire de nom parce que je me souviendrai pas là. Enfin si, il y a Evering Darkseid, les Freeze, les Penny Blunter, la team à Phoenix, je me souviens plus du nom, laisse tomber. Donc ma team, les Shiny Brothers. Et puis, je sais pas en fait s'il y a d'autres teams avec qui n'est fait que nous, je sais plus. Je crois qu'il y a les orations, je crois. Mais je sais plus si ça se dit comme ça. Et puis, voilà. Je suis complètement défoncé encore. C'est une vidéo totalement à chier. Mais c'est pas grave. Au niveau à chier, au niveau de l'image, parce que franchement, l'image est dégueu, mais vraiment dégueu, on voit rien. Voilà. Donc moi je vous dis à plus les gens et puis bye bye, à plus pour un nouveau